Salut à tous, c'est Thomas Santet ici, j'espère que vous allez bien, chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Alors, comme on a dit, on doit terminer le jeu avant la sortie de notre cher Hyrule Warrior. Ce qui, bien évidemment, je pense pas que ce soit possible, surtout avec le rythme de vidéo que j'ai. Mais c'est pas très grave. Donc au pire, il y aura les deux let's play en même temps. Au pire, j'accélérerai le nombre d'épisodes de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Histoire qu'on arrive un petit peu à avancer un petit peu plus. En tout cas, aujourd'hui, vu qu'on fait une run 3 coeurs, normalement, il y a quelque chose qu'il faut qu'on change. Absolument. C'est mon nombre de coeurs. Et mon nombre de coeurs, le problème... C'est que là, on est à 4. Laboratoire antique des limites. Je me demande si c'est pas là-bas qu'il faut qu'on aille pour changer les cœurs pour de l'endu. Je crois que c'est un truc comme ça. Peut-être. Je sais plus. En tout cas, toujours est-il qu'on va faire ça. Et ensuite, on va faire la créature divine des piafs. Parce que c'est... Vous allez voir que le pouvoir... qu'on reçoit une fois qu'on termine la créature divine des piafs est vachement intéressant pour l'exploration. Je trouve ça plus intéressant que celui des gorons ou celui de des autres là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Je crois que c'est par là. Je crois que c'est juste en dessous là. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est exactement ça. Hop. Hello. C'est toi, t'as venu élire au réceptacle, pas vrai? Je le sens. Alors, on fait affaire? Ouais. Oui, je veux t'en vendre un. Un réceptacle de cœur. Oui. Hop, allez, take it. Marché conclu, merci. Je gagne 100 rubis. Tu m'as confié un réceptacle. Tu veux faire quoi? En récupérer un. Je vais récupérer un réceptacle d'endurance. Si tu veux récupérer un réceptacle d'endurance, il faut m'en filer 120 rubis. Allez, go. Marché conclu. Parfait. Hop. Voilà. Ah, niveau endu, on commence à se mettre bien, là. Non, je veux pas te vendre. Je veux pas te vendre un truc. Alors, donc on a dit la créature divine. Les créatures divines, Impa. Vous avez vaincu l'ombre de Ganon qui hantait l'une des créatures divines. Il vous reste à reprendre le contrôle de 3 créatures. Ouais. Des photos, des souvenirs. Les souvenirs, on les fera, mais on fera un épisode entier où on se fait... Peut-être pas un épisode entier où on se fait les 12 souvenirs. Ou alors l'épisode va durer un peu longtemps. On fera peut-être un live si ma connexion arrive à suivre. Bah non, je peux pas faire un live puisque quand j'aurai la connexion pour faire des lives, l'épisode là sera pas sorti. Donc ouais, je sais pas, je verrai. Je pense que je vous ferai un gros épisode, quelque chose comme ça. La fontaine de la grosse de la grande fée, pardon. Alors, plateau du prélude. Hein ? Fantôme du roi Hyrule vous a révélé que le royaume entier se trouvait au bord du gouffre. La princesse Zelda confine Ganon le fléau dans les murs du château d'Hyrule. Mais son pouvoir risque de se tarir à tout moment, permettant à Ganon de terminer son œuvre de destruction. Portez secours à la princesse avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Alors, le problème... Ah, voilà. Ça, si j'ai bonne mémoire, ça, c'est les Gerudo. Ça, c'est... Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est... Non, attends. Ça, c'est les Gorons. Donc, ça, c'est les Piaf. Et nous, il faut qu'on aille chez les Piaf. Ce qui veut dire qu'on va se TP. Y a pas un relais quelque part?
Si, ici. On va stepper plutôt à la tour qui est... ici, je pense. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai noté ça, ici? Ah, oui, non, c'est la grande... c'est la grande fée, c'est pour ça. Ah, mais ça, c'est la tour du prélude. Ah, merde. Du coup, on va plutôt aller dans la tour des Géminées. D'ailleurs, la tour des Géminées, c'est pas celle où il y a une espèce de demi-dôme dessus? Parce que s'il y a l'espèce de demi-dôme, ça veut dire qu'il y a une grosse épée dessus, si je me souviens bien. Je crois qu'il y a une grosse épée, un truc qui faisait 42 de dégâts, un truc comme ça, c'est un truc énorme. Il me semble que c'était pas mal. D'ailleurs oui, j'ai les DLC sur Zelda, donc on fera peut-être au moins la première épreuve de l'épée. J'ai pas envie de faire toutes les épreuves de l'épée, parce que les épreuves de l'épée, ça m'a l'air ultra compliqué. On pourra peut-être les tenter, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a le gros rayon de la créature divine. Ça, c'est cool. Ça, c'est encore des tours qu'on a absolument pas faites. Attendez. Notre objectif est là-bas. Notre objectif est là-bas. On a plusieurs tours sur le chemin. On a des bokoblins. Est-ce que ça vaut le coup de se les faire? Je suis pas tout à fait sûr. Bah putain, mais j'ai tellement d'endus, pourquoi je me fais chier? J'ai tellement d'endus, oh là là. Je vous jure. Par contre, si on chope un relais sur le passage, ça peut être sympa quand même. Donc évidemment, c'est notre objectif, hein, la créature divine là-bas. Mais enfin, le village des piafs, pardon, c'est notre objectif. Mais... alors... hein, j'aurais peut-être dû acheter des flèches avant de me barrer, moi. Tant pis. J'ai pas des... qui servent à rien, là, un peu. Il y a de glace, genre. Voilà. On récupère ça. Oh, merde. Ok. Ah putain, c'est déjà cassé, mais c'est nul à chier ce truc. Hop, on prend la lance. Ah, j'ai bouffé le truc, quoi. J'aimerais bien... voilà, merci. Putain, j'ai perdu un quart de cœur, là. Bon, du coup, notre objectif est tout droit, pour l'instant. Donc, on va continuer tout droit. On va peut-être passer par là. En tout cas, ce qu'il y a de sûr... est-ce qu'on tente le Litorok? Je suis pas tout à fait sûr de... d'être confiant pour ça, tu vois. On peut le tenter à la limite. Ok, très bien. Faut que je me rappelle comment on les fait par contre, les Litorok. Normalement, ça devrait passer assez facilement. Voilà. Oh, bah ça va en fait. Le Torok, il était pas très compliqué. Bon, ça devait être. Ça devait pas être un truc ultra complexe non plus. Ah. Une opale brute. Je crois que c'est un truc que voulait le Zora. Mais bon. Alors, ça nous fait quelques petits trucs. Ça nous fait quelques petits trucs. Je veux dire, il joue là. Pas du tout dans le bon endroit. On va remonter là-haut. On va prendre le Delta Plane. Vous allez voir, franchement, le truc des auras là, truc des auras, n'importe quoi. Oh, il y a un relais. On va choper le sanctuaire du relais. Et le relais, tout simplement, pour choper, pour rappeler Epona. Oh putain. Oh le saligo. Oh les saligo. On va peut-être dormir aussi. On va prendre un bon lit spécial là, histoire d'avoir des cœurs en plus. Oh, là, c'est pas du tout un relais. Ah non, mais le relais il est là-bas. Putain, la flippe. Oh, attendez les gars. Il y a moyen de faire un joli truc. Mais alors, on va pas se faire...
faire chier en prendre l'arc les ailes. Yes! J'ai réussi ce que je voulais faire. Oh. Oh, tout de même. Alors, ce qui serait bien, c'est... Attendez, on va prendre le bouclier en bois. Alors, pourquoi, vous allez me demander? Tout simplement pour ça. Vous allez voir qu'il va tirer des flèches. Alors, par contre, ce serait sympa qu'il... Attends, on va se débarrasser de lui. Hop, voilà. Attends. Voilà. Mais... Ah, son bouclier a brûlé. Ça veut dire qu'il est totalement inutile. Non, c'est pas lui que je veux. C'est l'autre là-haut. Putain, Link, fais un effort, bordel. Voilà. Vas-y. Mais t'as plus personne, allez, viens. Tire. Non, allez, tire, fais un effort. Allez. Allez, tire des flèches. Sur moi, de préférence. Non, j'ai dit sur moi, enculé. Ah, rien, pourquoi pas. J'ai dit sur moi. Fais un effort. Incroyable ce truc. Voilà, on va récupérer une flèche. Aïe. Du coup, je me suis pris la pierre, c'est quoi? Ouais, ça peut être très long, mais c'est un système de farm de flèches. Aïe. Attendez, une arnaque là. Voilà, et lui. Bah alors. Ah, l'arc les ailes s'est brisé déjà, bah putain. Bon, l'arc Zora du coup. Comment je grimpe sur leur truc par contre? Un peu chiant là ce machin. Ils ont pas d'entrée ou je sais pas quoi là. Oh, 5 flèches en bois, énorme. Je suis sûr, il y a moyen de faire un truc avec ça. Alors oui, il doit y avoir clairement une autre utilité bien meilleure, mais... Tiens, pouf. Voilà. Ça, on a récupéré. Eh, c'est des épisodes d'exploration, les gars. J'avancerai peut-être de mon côté aussi, histoire qu'on se tape pas toute la route, mais il faut quand même, il faut quand même. Ça nous fait un arc en plus toujours, c'est pas mal. Un truc qui me paraît étrange, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse, je suis pas tombé dessus moi de mémoire. Vous pouvez bien servir, vous. J'en sais rien. On avait le. On avait complètement autre chose en tête à la base. Donc on va y aller. Allez. On va activer le sanctuaire. On l'active juste, hein. On va pas aller. On va pas se faire le sanctuaire aujourd'hui. J'ai un peu la flemme. Un jour, on se fera une session sanctuaire aussi, histoire d'avancer. Putain, sérieux, mais c'est giga loin. J'ai un peu peur de là où ça nous mène, cette connerie. On va tester des trucs, mais j'ai un peu peur de ma connerie. Merde. C'est quoi ça, un coffre?
Ouais, je suis mort. Ah non, merde. C'est là, c'est quand même là que je me dis ça aurait été bien pratique de peut-être commencer même par. Par l'autre créature divine, c'est quoi? C'est relou. Il va falloir passer par le pont, ça va être une. Ah mais. Oh bordel! C'est qu'il se balade en plus que ce truc là. Ah c'est bon, il est censé être mort. Toi aussi t'en es un? Non, t'en es un. Ok. J'ai mal. J'ai terriblement mal, c'est terrible. Poupiloupilou. Au final j'aurais pu me TP à ce tour là, ça aurait été vachement plus simple en fait avec le tour que je me tape. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Passons par là. Aïne Korobu. Notre objectif n'est pas les Korobu. Notre objectif est simplement et seulement l'histoire principale de ce jeu. Pour l'instant. Peut-être un jour on fera. Chose, tout ça, mais c'est pas très grave, mais pas pour l'instant. Hello Mister. Ah. Ok, bienvenue, tu peux te reposer. Tu veux te reposer dans notre amusement, un lit normal, un lit moelleux. Jusqu'au matin. On partira le lendemain matin, il est 6h15. On s'en fout, on va dormir une journée entière. Bien dormi et on a gagné un cœur. Toujours plein de petites techniques comme ça hein, pour gagner des cœurs, des machins comme ça. Un truc là. J'ai un truc brillé. C'est quoi? C'est une hache des bûcherons. Ça fait pas grand chose de dégâts je pense, mais ça nous permettra d'avoir quelques trucs. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des poulets. Ne jamais attaquer les poulets dans les Zelda. Sinon c'est une horreur. Allez. On active ça et on lui demande Epona et on repart. Tiens les gars, se passe-t-il ici? Ok, pourquoi pas. Bon, il se passe des choses étranges ici, c'est pas très grave. Pardon, il y a des trucs sur le groupe de ma classe en cours, donc je regarde vite fait s'il n'y a pas un truc urgent, tu sais. Rien du tout. Rien du tout, donc on sent. Alors, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Couvercle de marmite. Ah, le compartiment des boucliers est plein. Dommage. Non, je ne veux pas attendre. Tiens, on va en profiter pour cuire des trucs. Il restaure l'énergie vitale, ça fait quoi ça? Ok. J'ai pas des Radimax? J'ai que un Radimax. Chier, j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus. Ça fait quoi ça? Augmenter la vitesse de déplacement. Ah ouais, d'accord. Si on en prend un ou deux, mais ça. Je sais pas, on met un truc de Bokubin. Ça nous fait pas un remède, ça? Avec un peu de chance, ça peut nous faire un remède. Alors, vu le bruit que ça fait, ça va nous faire un plat douteux. Bah, dommage. Dommage. Je crois que pour les gros Radimax, je crois qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Il y avait moyen de faire quelque chose avec les gros Radimax, mais alors quoi?
pire, on va tester. Hein. Oh. Ah, ça a fait quelque chose. Hey, plus 5 heures. Honnête. Honnête, honnête. Alors. Oh, attends. Terry, est-ce que tu vends pas quelque chose d'intéressant? J'aimerais vous offrir un témoignage de ma gratitude pour vous, monsieur Claire. Merci. Ce cadeau, nanana, Pharas, il travaille, nanana. Avec toutes sortes d'armes et d'armures, c'est une sorte de savant fou, c'est effrayant, c'est effarant. La recherche de puissantes d'armes, c'est l'homme qu'il vous faut, monsieur client. Alors passons à autre chose si vous le voulez bien. Vous délestez de quelques objets. Je veux acheter. Fais voir ce que t'as à m'offrir. Ah, t'as des flèches. Grenouille vigueur. Permet de supporter l'électricité, supporter les chocs électriques. Bah écoute, hein, on va te prendre des flèches. Ah, on a déjà plus, super. T'en as 20. Ça fait 120 balles. On va t'en acheter pour... On va t'en acheter pour 60 balles. Bon, je me suis gouré, c'est pas grave. On a 25 flèches. Du coup, on va vendre des trucs. Les vis antiques, ça vaut pas grand chose, on va pas se le cacher. Mais gardez les trucs qui donnent des cœurs quand même. Tu prends à combien les sabots de Linel? Je peux t'en offrir deux si tu veux. Voilà. Je t'en offre deux. Oui. Ah non, mais attends, je suis con, il y a les pierres. J'ai des pierres, faut vendre les pierres, les gemnox. Genre les gemnox, on s'en bat les couilles des gemnox. Hop, 420 rubis, allez hop, allez ça dégage. Bah oui, allez hop. Des opales brutes, on vend tout, ça dégage. Ok, ça c'est good. Normalement j'en ai encore des trucs à lui vendre. Ça va, on le trouvant sûrement une utilité. Ok, bon, on va peut-être pas le jeter du coup. Un rubis brut. Allez, un rubis à 210 rubis. Ah, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on a autre chose à lui offrir au monsieur? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est bon. Hein. Après, on va garder le reste. Pas de soucis, mon cher Terry. Alors, je suis con. On était venu à la base pour ça. Oh. Voilà, on récupère Epona. Pour te reposer, dirige-toi plutôt vers l'intérieur. Que puis-je faire pour toi? Emmener un cheval. Très bien, quel cheval veux-tu emmener? Epona. Tu veux Epona, c'est ça? Oui. Alors, faisons venir Epona jusqu'ici, ça devrait pas prendre longtemps. C'est parti. On fait venir Epona. Oh. Pas de soucis, si tu t'éloignes de ta monture lors au cours de ton voyage, il suffit de siffler pour qu'elle te rejoigne au galop, sauf si tu es trop loin, évidemment, là ton cheval ne t'entendra pas siffler. Et évidemment. Alors, vu que c'est un épisode d'exploration, on va quand même un petit peu continuer, même si on est déjà à 25 minutes. Enfin, pour vous, je sais pas si ça fera 25 minutes, parce que j'ai eu le temps de démarrer la vidéo, etc. Donc on va continuer encore un peu, on va se diriger vers là-bas, voilà. Tiens, il y a la tour là-bas. Ah, la musique qui s'appelle Riding. Riding Day. Oups, c'est par là-bas. Allez, let's go. C'est hyper parti. Ah, ça va quand même vachement plus vite à cheval. Hein. C'est incroyable. Alors, il y a un gardien, on va se contenter de l'éviter. De l'ignorer surtout. Ah, pardon Epona. Prends ton temps. Ok. Il y a des ruines. Il y a quelque chose dans les ruines, à part un gardien qui a l'air vénère.
un beau gobelin à cheval. Qui m'a l'air bien vénère d'ailleurs. Ah d'accord, tu perds. Oh voilà. Beau gobelin est mort. Alors par contre, ce qui m'inquiète, c'est le gardien là. Surtout qu'il se dirige vers nous là. C'est un petit peu relou. Surtout de combattre un gardien à cheval. Un gardien à cheval. Si j'avais une grande communauté, j'aurais demandé un dessin de gardien sur un cheval. Accélère! Je comprends. Par contre, Epona, faut se barrer. Ok. Prenons ceci. Non! Ah putain! Oh, merci, je te protégerai. Bouclier de gardien. Putain, par contre, les gars. Ok, non, c'est pas ça que je voulais faire, clairement pas. Ok, c'est ça. Ah putain, mon bouclier de gardien, ça l'a brisé en plus. Saloperie. Ah, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé. Ouais, effectivement, je l'ai bouffé. Chier, j'aurais pas voulu. J'aurais bien voulu ne pas l'utiliser maintenant, en fait. Ça fait quoi? Ça surbooste, ça? Non, je sais plus. Combat de tempo, ça permet de aller plus vite. Résister à l'électricité. Waouh. Bon. Tant pis. Oh, ça me brise mon bouclier les ailes. Non. Bouclier de Vinel plutôt. Ok. Mais ça brise le bouclier à chaque fois. Oh putain. Eh ben... Ouais. Ouais. Attendez, mais la dernière sauvegarde, c'est où? Eh ben... J'ai quand même envie d'explorer les... Oui, trop tard. Vous avez... Saloperie de Link. Putain, Link, fais un effort, bordel. Arrête de bouger. Ok. Alors maintenant le souci c'est que... Il me faut un bouclier un peu meilleur et surtout il me faut une arme un peu meilleure. Bah tiens, glaive de gardien ça fera l'affaire. J'ai oublié qu'on pouvait faire ça au gardien. On pouvait couper les jambes. Allô, Link? Qu'est-ce que tu fais?
on se barre. Ok, bon, le gardien, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est chiant, les gardiens, putain. J'ai plus une seule larme à une, hein, tiens. Ouais, il va peut-être falloir qu'on fasse un peu le plein d'armes. On va faire autre chose. Hein. Il n'y en a pas ici, justement. Ce serait pas mal qu'il y en ait ici. Genre là-dedans, là-bas. Il n'y en a pas ici, un truc comme ça. Ce serait quand même vachement sympa. Ouais, j'ai pas l'impression. Hein. Je crois que niveau arme, je me fais un peu baiser. Attends, pas parler trop vite. Qu'est-ce qu'on a ici? Lance du tourment, ok, ça fait toujours une arme en plus, c'est sûr. C'est pas fou, c'est pas ce que j'attendais, mais... J'attendais effectivement une arme. Alors, par contre, il y a un deuxième gardien, les gars, on se le fait pas. Hein. Très clairement, non. Récupérons Epona, allons à la tour, activons la tour, et on terminera l'épisode ici. Hop. Oh non, vraiment, il y a un gardien juste là à côté, là. Oh putain. Mais non. Mais si. Mais si, mais il m'a vu, ce con. Oh putain. Je crois que c'est un mobile en plus là qui me voit. Oh putain. On va tenter, on va tenter. Tant pis. Simi. Putain, s'il y en a un qui me voit. Ah, il me voit plus. Ah, il me voit. Il me voit plus. Allez, vas-y, Rajan. Au secours. Tu me vois plus. Ok. Non, tu me vois pas, 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 tu me vois pas. Ce n'était qu'une illusion. Bah bordel, oh, je me suis foiré comme une merde. Putain, y'en a deux. Y'en a deux qui peuvent me voir, à l'aide. Ok, activons la tour et terminons l'épisode ici. Histoire que, bah voilà, on ait fait un épisode. Zone infestée de gardiens, quoi, ça va être horrible. Il va falloir qu'on se dirige vers le pont, par là-bas, pas loin. Bon, moi, on a débloqué un TP qui est juste ici, et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Alors, les gardiens, il va falloir les refaire, hein, évidemment. Il va falloir les faire un jour, mais pas tout de suite, hein, on va se calmer. Oui. Énorme. Allez, fais voir. Ok, mais c'est pas encore cette zone là qu'on veut. C'est pas encore cette zone là dans laquelle on doit aller. Putain, il y a une zone et c'est encore la zone d'après. Oh, bordel. Putain, heureusement que le pouvoir est pratique, hein, parce que sinon... sinon ça la foutrait mal. Bon. Eh ben... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Thomas67 ici. On se dit à la prochaine, tout simplement, purement et simplement, parce que bah, on est déjà à plus de 35 minutes. Je voulais vérifier, on a encore notre plat ou pas? Oh, yes, on a notre plat, énorme. C'est cool, ça c'est cool. Bon,
Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Thomas Sand de Satessi. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, évidemment. Voilà, n'hésitez pas à... La cloche, c'est très important pour continuer à regarder le let's play. Si l'épisode vous a plu, évidemment, si le let's play vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir avec les pouces bleus. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire aussi, c'est très important aussi les commentaires. On ne dit pas assez. Après, il y a pour discuter avec moi, il y a le Discord en bas dans la description. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instant Gaming pour me supporter tout en achetant vos jeux moins chers. Et puis voilà, la prochaine fois, on se dirigera vers la tour qui est juste en face de nous, là. On essaiera de la choper avant d'aller à la tour d'après pour pouvoir aller enfin chez les Piaf. Donc je pense qu'on va encore avoir deux épisodes avant d'aller chez les Piaf. Hein. Donc ça va être très très compliqué de finir Breath of the Wild avant novembre si on fait pas un bon gros rush avant... Mais je pense qu'on va faire un bon gros rush à un moment. Où on va passer... Alors peut-être pas une vidéo par jour, mais une vidéo tous les deux jours. Ce sera un épisode de Breath of the Wild tous les deux jours. Enfin bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, hein, c'est très important aussi. Merci à tous, c'était Thomas Santitessi. A plus tout le monde.